pouvez l'applaudir, applaudir ce député. Ça serait dommage. Le ballot. Hein. Ah oui. Ah tiens. Mais l'important de ce fête, c'est justement de pouvoir conserver au fil du temps la mémoire de ce qui s'est fait dans ce village. Et puis, le côté convivial, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Hier soir, c'était très sympathique avec les repas à l'encolie, le bal et tout ça. Et bien, de temps en temps, il faut savoir se rapprocher un petit peu les uns des autres pour faire en sorte que toutes les petites querelles de clocher s'estompent. Et qu'à un moment, et on puisse boire un verre tous ensemble. Et il y en a ce qui finalement restera au fil du temps et beaucoup plus tard. C'est qu'est-ce qu'on a fait du village, comment on a réussi à transformer le village, comment on enlève encore aujourd'hui quelques voitures dans le village, et comment on fait que demain, eh bien, les villages soient encore plus sympathiques à vivre et où vous puissiez vous retrouver encore plus nombreux l'année prochaine à la Sainte-Anne. Voilà ce que je voulais vous dire avec tout le conseil municipal. On remercie tous ceux qui, bien sûr, ont organisé cette Sainte-Anne, tous ceux qui ont participé de près et de loin. On souhaiterait qu'il y ait une association créée avec cette organisation, avec tous les gens du village et tous ceux qui veulent participer. En tout cas, vous allez aller dans le village ou juste résident en vacances. Passez une bonne journée, profitez du soleil du Lez aujourd'hui. Et surtout, merci de votre présence à tous.